Otto Leguel, député et le président du Conseil national. Bonjour. Le premier point, le Conseil national a évoqué la question de la sécurité nationale à travers deux aspects, entre autres la crise malienne, qui est une crise à nos frontières est, et qui a eu déjà des répercussions très graves sur nos populations, et nous souhaitons qu'elle trouve un dénouement positif. En tout cas, notre pays doit œuvrer dans ce sens, à ce que les frères maliens s'accordent entre eux, retrouvent la paix, et à ce que tous les partenaires extérieurs respectent la souveraineté du Mali, et à ce que les relations de bon voisinage, surtout dans les zones frontières, continuent par une coordination efficace entre les deux gouvernements. Question du dialogue. Je dis que nous continuons, le Conseil national a recommandé que nous continuions à appeler à un dialogue inclusif sur les questions fondamentales qui sont de nature à renforcer la cohésion nationale, à renforcer la capacité de ce peuple de faire face aux défis qui le menacent, intérieurs et extérieurs. Tant que ces défis sont là, le besoin de cette entente nationale, tant que ce défi est là, le besoin de cette entente nationale s'impose. Et donc, c'est pourquoi nous appelons toujours à maintenir cet appel au dialogue national inclusif. Et ceux qui le refusent assument la responsabilité des conséquences. Cette concertation au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons décidé de ne pas répondre à l'invitation, pas par rejet du principe, parce que nous sommes pour le principe d'une concertation, et d'autant plus d'une concertation sur les élections, qui était l'un des sujets du dialogue inclusif qui était prévu. Mais c'était pour protester contre le comportement du pouvoir sur cette question. Comment il décide unilatéralement de suspendre un dialogue qui était sur le point d'être organisé, sans concertation, de façon unilatérale, de manu militari. Il nous fallait protester contre ça. C'était donc une forme de protestation. Deuxièmement, nous avons aussi besoin d'avoir les assurances que cette concertation au niveau du ministère de l'Intérieur ne va pas connaître le même sort que le dialogue inclusif. Et donc, de ne pas aller comme ça tête baissée dans n'importe quelle concertation. Ceci dit, nous sommes absolument intéressés à ce que cette question des élections soit l'objet de concertation, mais à ce que aussi le résultat qui va en sortir, soit respecté et soit réalisé avec tout le sérieux qu'il faut. Je dois dire que nous n'avons, il n'y a pas de problème entre Mohamed Boulmouloud et Birem, il n'y en a pas. Et donc, maintenant, s'il y a un examen à faire au comportement des hommes politiques par rapport à tous les événements passés, et nous nous sommes disposés à ce que on prenne Mohamed Boulmouloud et on voit son comportement dans le passé, ça ne nous gêne pas du tout. Et qu'on le fasse aussi à tous les autres. Maintenant, en ce qui concerne, ou qu'on le fasse pas à tous les autres, mais nous, en tout cas, nous sommes, alhamdoulilah, sereins sur ce plan-là. Et nous n'entendons pas du tout alimenter tout ce qui peut diviser l'opposition, toute polémique inutile qui peut diviser l'opposition. En ce qui concerne maintenant les informations sur les détournements, je crois que ce qui encourage les détournements, c'est le manque de fermeté du pouvoir
par rapport au dossier de la décennie passée. Il est très clair que, en tout cas, l'impression qui est donnée à l'opinion publique et le message qui est renvoyé par la gestion de ce dossier, c'est une impression et c'est un message qui laisse entendre que finalement, quelqu'un qui est dans une situation qui est coupable peut toujours se tirer d'affaire et donc ça ne décourage pas les détournements. Et même les cas plus récents, on a vu des gens coupables de façon avérée et qui ont été réhabilités d'une façon qui n'est pas légale, qui ont été nommés à des postes. Donc tout cela n'est pas de nature à encourager véritablement la lutte contre la corruption, et c'est pourquoi il y a une multiplication des cas de ce genre.